Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle trottinette électrique préférée, la Niu Kakui 2 Pro. Ça fait plus d'un mois que je la roule quasiment quotidiennement, et donc il est temps de vous parler de ses qualités, de ses défauts, et surtout, à la fin de cette vidéo, tu sauras si elle est faite pour toi et tes usages. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Aujourd'hui, on se retrouve dans la fraîcheur du parc bordelais, donc à Bordeaux forcément, pour vous parler donc de ma trottinette électrique, la Niu Kakui 2 Pro. Alors pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, je parle assez souvent de trottinette électrique et de mobilité urbaine en général. Et celle-ci, c'est la deuxième trottinette Niu que je teste. J'avais déjà testé la Niu Kakui 3 Pro, donc en gros c'est le modèle au-dessus de celle-là. Mais au final, cette dernière, j'utilise quasiment plus du tout, c'est ma compagne qui utilise maintenant. Parce que moi je préfère le petit modèle qui est en plus moins cher, donc la Niu Kakui 2 Pro. Si on commence par faire un tour du produit, on a vraiment tout ce qu'on aime sur un produit Niu. Donc à savoir, le produit déjà respire la robustesse, c'est clair. On va avoir un guidon qui est bien ferme comme il faut, l'écran qui va bien ici. La potence, donc en gros le guidon qui est juste ici, qui va être incliné pour que ce soit beaucoup plus confortable à rouler. On va avoir le deck en dessous, la batterie qui est très bien protégée, et surtout des grands pneus 10 pouces. Ça c'est vraiment hyper important pour le confort, surtout qu'en plus on n'a pas d'amortisseur, donc c'est bien d'avoir des roues 10 pouces, en particulier si vous roulez comme moi sur des routes pas forcément toujours de bonne qualité. Donc par exemple, dès qu'il y a un trou, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir des grosses roues qu'une petite roue qui va avoir tendance à se planter et du coup vous allez passer par-dessus. Alors là par exemple, dans les graviers ça se fait très très bien, il n'y a pas de souci. Niveau sécurité, on a aussi tout ce qu'il faut parce qu'on a bien les réfléchissants de chaque côté, donc là et là. On a une belle lumière à l'avant qui éclaire bien avec deux niveaux différents, donc juste à appuyer deux fois ici pour hop, allumer aussi celui du milieu. J'ai un seul frein, donc j'ai pas le frein avant et arrière, mais ce qui est bien c'est qu'on sera beaucoup moins surpris en fait par un freinage, on risque pas de freiner de l'avant sans faire exprès ce genre de choses là. Donc on a un frein qui est très progressif, qui pourrait être un petit peu plus mordant. Et après voilà, j'ai le moteur à l'arrière ici avec le feu arrière aussi, bien sûr dès que je freine ça fait stop, hop, ça s'allume plus fort. Niveau confort, on a un deck qui est assez large mais pas trop. En gros je pense que c'est vraiment le bon compromis entre confort pour ses pieds mais aussi après compacité lorsque on va pas l'utiliser. Donc lorsque je monte sur la trottinette, hop, ici, on va voir que j'ai largement la place pour mettre mes deux pieds comme ça. En trottinette, il faut jamais se mettre les pieds comme ça. Ça, c'est faux pas, parce que si jamais on freine un petit peu trop fort, on risque de partir en avant. Donc voilà, le mieux, c'est toujours d'être comme ça. Donc certes, j'ai mon pied à l'arrière ici qui va un petit peu dépasser, mais vraiment pas de souci, hein, j'ai de la place. J'ai un revêtement qui est antidérapant ici. Et en plus, ce truc-là, je peux le changer, hein, c'est vraiment comme un grip de skate. Il y en a même un autre d'ailleurs qui est livré dans la boîte. Pour la partie mise en route et premier roulage, c'est vraiment comme sa grande sœur, donc la Kakui 3 Pro. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, j'ai pas envie de la refaire parce que c'est exactement pareil. La trottinette est livrée à un tout petit peu démontée, en fait il faut juste fixer le haut ici au reste de la trottinette. Bon, c'est pas sorcier, juste 4 vis à mettre. Et après il va y avoir toute une procédure via l'application pour l'activer. Après on va avoir un petit tutoriel pour nous expliquer un petit peu les premiers trucs à savoir sur une trottinette. Et enfin on va pouvoir partir, à savoir on sera bloqué en mode e-save, donc c'est le mode qui est limité à 15 km/h, donc pour économiser la batterie pendant 1 km. En gros c'est ce que le constructeur a choisi de faire pour qu'on ait vraiment le temps de s'approprier vraiment la trottinette. Et après les 1 km on va entendre un gros bip, ce qui va nous permettre de pouvoir dépasser les 15 km/h et désactiver du coup le mode e-save. Niveau transportabilité, ça va être très très bien. Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait préférer ce modèle-là par rapport à sa grande sœur. Bon, forcément, ça reste une trottinette qui fait son poids, hein. On est quand même autour des 18 kg. La Kakui 3 Pro va faire 20 kg, donc il y a juste 2 kg de différence, mais déjà ça se sent. Et surtout, elle va être plus compacte. Mais ce qui est bien, c'est qu'on conserve quand même tous les mécanismes que j'aime beaucoup sur la plus grande, à savoir le système de piège qui est très très bien. Donc on a juste besoin de venir déclipser ça ici. Hop. Vous voyez, il y a un petit crochet hein, qui maintient ici, là, au cas où, donc ça c'est chouette. Hop. Tac. Même à une main, ça marche. Et après, on va venir clipser cette partie ici, donc ce petit crochet-là, directement ici. Hop. Voilà. Et là, maintenant, c'est bon, je peux la porter sans problème. Je peux la porter, mais aussi, si je veux, je peux très bien la faire rouler. Hop. Tac. En la prenant vers ici, et la faire rouler comme ça. Et je pourrais aussi la faire rouler comme ça, si je veux. Mais bon, là, c'est un coup à me salir avec la roue ici. Et ce qui est bien sur ce modèle-là, contrairement à beaucoup d'autres, c'est comme vous pouvez le voir ici, tout ce qui est passage de câble, il va passer par l'intérieur ici de la potence. Donc j'ai pas des câbles qui vont venir
ici, pouvoir se coincer quelque part ou quoi. Et c'est quelque chose de hyper appréciable. Ça veut dire que par exemple, quand je l'ai prise avec moi dans le TGV, j'ai vraiment pas peur de la mettre au fin fond d'un truc. J'étais sûr de pas arracher un câble au passage. Ça, c'est très rare sur les trottinettes encore et je trouve ça vraiment super. Et pour revenir donc à mon voyage en TGV, j'ai pu la prendre sans souci. J'ai un petit peu galéré parce que c'était un jour de départ en vacances, donc autant vous dire que j'étais pas seul en train et que tout le monde avait des énormes valises. Mais ça l'a fait et donc moi, ça correspond très bien à mon usage, à savoir maison, TGV, TGV, boulot. Et comme ça, ça m'évite de prendre au maximum tout ce qui va être tram, métro, tout ça. Et ça me va très très bien. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à un moment donné, il va bien falloir la rouler. Et donc c'est parti, on va parler de la conduite. Alors il faut savoir déjà qu'on a une bonne accélération qui n'est pas non plus trop violente, mais qui marche assez bien. On atterrit assez facilement et rapidement aux 25 km/h. Pour rappel, hein, tous ces engins-là doivent être limités à 25 km/h pour être conformes à la réglementation en France. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a trois éléments essentiels lorsqu'on roule une trottinette en France. Le premier, ça va être des feux à l'avant, à l'arrière et des autocollants réfléchissants sur les côtés. Deuxième, ça va être un avertisseur sonore absolument. Bon, là, c'est une petite clochette qu'il y a. Et troisièmement, c'est une assurance. Attention, peut-être que votre assurance habitation couvre déjà vos déplacements en trottinette électrique. C'est pas forcément le cas parce que c'est un engin, certes, mobilité douce, mais il y a quand même un moteur dedans. C'était pas mon cas, par exemple. J'ai dû prendre une assurance en plus. J'ai d'ailleurs fait une vidéo hyper récemment sur les accessoires que j'aime bien et aussi, je vous parle un petit peu de l'assurance. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Alors on en revient à la conduite, on a vraiment un excellent produit là qui pourra vous amener au boulot tous les jours sans problème. On a quelque chose qui est très solide, qui est très confortable. Les pneus 10 pouces, ils jouent forcément pour beaucoup, mais aussi le guidon qui est incliné. On peut vraiment facilement se faufiler si besoin entre les voitures. Le frein répond bien, on a accélération qui va être assez puissante, mais tout en restant quand même assez douce. On a un grip qui tient bien. Sous la pluie, je n'ai pas encore pu la tester parce que heureusement, en même temps, il fait très beau en ce moment, mais bon, les pneus, c'est les mêmes que sur la KQE3 Pro. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis, même si bon, il vaut mieux éviter quand même la pluie. Sauf que là, en plus, par rapport à l'essentiel des trottinettes, je vais avoir le port de charge qui sera beaucoup mieux protégé de la pluie parce qu'il va être ici sur le dessus. Donc il risque pas de se prendre des projections d'eau ici en dessous. Et bien sûr, hein, là, c'est très très bien protégé. Voilà, avec tout ce qu'il faut comme joint et tout ça. Niveau conduite, là où j'ai senti quand même la différence de prix par rapport au modèle au-dessus, ça va être lorsqu'il a fallu monter une côte. Mais voilà, à mon boulot, j'ai vraiment une énorme côte. Elle a réussi à la monter, donc ça déjà c'est très bien, moi c'est tout ce que je lui demande, mais malheureusement, je suis tombé à 8 km/h. Quand avec sa grande sœur, donc la KQ3 Pro, là j'étais plutôt aux alentours des 15-16 km/h. On voyait vraiment qu'elle commençait à galérer un petit peu, et j'aurais même pu, hein, si je voulais l'aider un petit peu, commencer à pousser un petit peu avec le pied. Mais au moins, elle a monté, ce qui n'était pas le cas par exemple de ma trottinette Xiaomi M365. Niveau autonomie, on va être aux alentours des 30 km. Donc c'est déjà très très bien, forcément sans activer le mode e-save, hein, parce que c'est pas intéressant de rouler à 15 km/h. Là que des fois à 25 hein, sur les grandes lignes droites, on dit oh, « j'ai pas très vite ». Niveau entretien, bon, ça fait au final que un mois, et au final tout ce que j'ai fait, c'est regonfler une fois les pneus. Mais vraiment, la trottinette n'a pas bougé du tout, on sent que ça respire la robustesse. Et ça, si vous devez utiliser souvent et régulièrement votre trottinette, c'est vraiment un élément à prendre en compte. En particulier, si comme moi, vous avez tendance à souvent la plier, la déplier, la transporter dans des endroits où forcément elle va prendre des coups, c'est vrai que c'est hyper sécurisant et rassurant d'avoir un modèle qui est aussi costaud que ça. Et du coup, est-ce que la NIU KQE2 Pro est faite pour toi? Elle ne sera pas faite pour toi si jamais tu as besoin de faire beaucoup de distance. Donc en gros, là, on est sur une autonomie de à peu près 30 km. C'est déjà pas mal, hein. Mais bon, forcément, si tu as besoin de faire 15 km aller-retour chaque jour, bah là, il vaut mieux aller taper dans du 40-50 km d'autonomie pour être sûr de pouvoir faire ton trajet. Parce qu'on sait que les batteries perdent un petit peu d'autonomie au fur et à mesure de leur vie. Elle ne sera aussi pas faite pour toi si jamais tu as besoin de monter souvent des grosses côtes. Tu l'as vu, moi j'en ai une à monter assez régulièrement, mais bon, ça le fait tout juste. Mais bon, vu qu'elle n'est pas non plus très longue et que c'est pas non plus tous les jours, ça me va. Mais forcément, si jamais tu as besoin de monter des côtes plus souvent, là je te conseillerais plutôt un modèle au-dessus avec un moteur plus puissant. Autre chose importante aussi à savoir, c'est que moi je fais 63 kg et que le poids influe pas mal aussi sur la puissance et surtout sa capacité à la trottinette à monter des côtes. Et enfin, ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu as envie de porter souvent ta trottinette. Là, je te conseillerais un modèle certes un peu plus fragile, mais quand même beaucoup plus léger et beaucoup plus pliable. Tu vas perdre un petit peu en autonomie, tu vas perdre un petit peu en robustesse, mais au moins tu vas gagner vraiment beaucoup en mobilité. Et si jamais tu as besoin de le porter, je sais pas, par exemple dans le métro souvent, celle-ci, ça se fait, hein, je l'ai fait, mais ça reste quand même déjà à ses limites.
Par contre, elle sera vraiment parfaite pour toi si jamais tu cherches un excellent rapport qualité-prix pour une trottinette électrique. On est à moins de 500 €, il y a même des fois moins en promotion. Donc vraiment à ce prix-là, on a un super produit qui est robuste en plus et qui pourra vraiment vous servir tous les jours. Ça rejoint mon deuxième point, elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches une trottinette qui est robuste, solide. En gros, quand on sert d'un produit tous les jours, il va forcément prendre des coups, il va forcément tomber à un moment donné. Et donc, c'est hyper rassurant de savoir qu'on a quelque chose qui est très costaud, très solide. Et le bon exemple, par exemple, c'est le câble de frein et tout ce qui est câble qui sont vraiment intra la potence. Donc, il n'y a rien qui dépasse. Et ça, c'est vraiment hyper rassurant au quotidien. Et enfin, elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches une bonne trottinette pour commencer. Et là, je vais mettre en avant son côté avec l'accélération qui est certes efficace, mais pas non plus trop intense. Pareil pour le freinage, il est aussi efficace, mais il ne va pas non plus bloquer les roues au moindre effleurement de la gâchette. Et enfin, toute la partie confort avec les gros pneus, avec le deck qui ne va pas bouger du tout, avec le guidon qui est incliné. Tout ça, ça participe vraiment au fait de se sentir très vite en confiance dans le produit. Et donc, c'est vraiment parfait si vous cherchez une première trottinette électrique. Et donc, pour conclure, et vous l'aurez compris, je pense, j'ai vraiment trouvé la trottinette qui est faite pour mes besoins. En complément de mon skate électrique, j'avais besoin d'une trottinette solide, sécurisante et facilement transportable. Et ce modèle remplit toutes ces cases. Et en parlant de transportabilité, il y a un petit truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est la taille du bloc de charge. Regardez, ça c'est le bloc de charge de la KQi 3 Pro. Et ça c'est le bloc de charge de la KQi 2 Pro. Donc voilà, c'est vraiment facile. Deux voire trois fois plus petit, c'est plus léger aussi. Donc là encore, si jamais il y a besoin de recharger, c'est beaucoup plus transportable ce truc-là que celui-là. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je vous mets aussi des liens vers mes autres vidéos, notamment celles sur les accessoires et tout ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.